Il est 11h, passé de 11 minutes sur Climax FM. C'était l'information avec RFI. Prochain rendez-vous, eh ben, ça sera tout à l'heure du côté de midi. Et là, nous avons Charlène. Bonjour. Bonjour Yann, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Ça va bien? Ça va. La nuit a été excellente. Toujours. Bon sommeil. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi. C'est le jour où nous vous parlons bien évidemment du bien-être et de santé. Et aujourd'hui... Tu as choisi quoi comme thème? Alors, j'ai choisi les secrets d'une bonne alimentation équilibrée et saine. Donc, effectivement, bonjour à tous, hein, comme je disais, bonjour à ceux qui sont connectés sur les réseaux sociaux, quel que soit le pays. Donc, vous qui êtes connectés, qui m'entendez, donc prenez le temps justement de notifier de quelle région vous êtes avec nous, de quelle région, que ce soit à Martinique, Guadeloupe, Argentine, l'Afrique, Amérique du Nord, États-Unis, quel que soit l'Australie, enfin, mettez de là où vous êtes de façon à ce que nous puissions passer de moments agréables ensemble. Donc, aujourd'hui, c'est l'émission Les clés du bien-être. Les clés du bien-être, une émission effectivement qui donne des outils, qui donne des astuces de façon à être un homme, une femme en pleine santé, dans un corps sain, dans un corps équilibré. Donc on verra aujourd'hui comme thématique les secrets d'une bonne alimentation équilibrée et saine. Donc pourquoi une bonne alimentation équilibrée et saine? Parce que cela est important dans la vie de tout un chacun, quel que soit notre domaine d'activité, quelles que soient les responsabilités lourdes ou moins conséquentes que nous avons, de façon à être des personnes efficaces, optimales dans toutes les activités, dans tous les challenges, les défis que nous avons à mener. Donc effectivement, l'équilibre, c'est pas ça, l'assiette. Ça, c'est une évidence. Il faut savoir que notre santé, notre équilibre dépend de ce que nous mangeons. C'est effectivement, c'est primordial. Donc, l'adoption, effectivement, d'une alimentation saine et équilibrée nous aide à nous sentir mieux, certes, nous aide effectivement à bénéficier d'une santé globale et meilleure. Donc, il faut comprendre que dans une alimentation équilibrée, pour ceux qui ne le savent pas ou qui le savaient, qui ont oublié, qu'une alimentation équilibrée est une adaptation équilibrée entre les différents nutriments, que ce soit lipides, glucides et protides. Donc, c'est un apport suffisant en vitamines et en oligo-éléments, tout simplement. Donc, il faut comprendre que cette gestion d'une bonne alimentation, c'est une répartition harmonieuse de notre ration alimentaire au cours de la journée. Donc, il faut comprendre qu'une bonne alimentation équilibrée et saine passe par une alimentation suffisante en quantité, mais qui n'est pas effectivement excessive. Donc, tout simplement, je dirais, une alimentation équilibrée et saine pour être un homme, une femme épanouie, libre, actif, un homme, une femme de réussite, en pleine santé pour pouvoir atteindre ses objectifs, ça passe par une alimentation raisonnable et varié. Donc, l'idéal, je dirais, ce que nous allons voir ensemble, on va avoir plusieurs principes, plusieurs étapes, justement. L'idéal, justement, dans une bonne alimentation équilibrée et saine, c'est de pouvoir avoir une bonne gestion de la répartition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut manger à des heures régulières. Il faut manger à des heures régulières, il faut manger à des heures calmes, si possible. Donc, la journée, c'est-à-dire la répartition des repas, doit s'articuler autour de 3 repas par jour, normalement. 3 repas par jour. Donc, il est conseillé d'avoir 3 vrais repas par jour et, si possible, un goûter vers 16h17. Donc, ça tue parce que nous sommes à la rentrée, nous sommes dans une nouvelle saison, nous avons des objectifs, des projets que nous sommes en train de mettre en place, nous avons des enfants aussi qui ont repris l'école, nous sommes certainement universitaires, il y en a d'autres également qui sont cadres professionnels, d'autres effectivement qui sont à la recherche d'un emploi, d'autres peut-être sont seniors. Quel que soit votre domaine d'activité, quelle que soit votre catégorie sociale, c'est important pour tout être, pour tout individu, d'avoir une alimentation saine et équilibrée pour être optimal dans tout ce que nous avons à faire. Et pour pouvoir être vraiment efficace. Je le dis bien par expérience, que j'étais l'une des adeptes des personnes qui sautaient les repas, vraiment par manque de temps, par effectivement parce qu'on était pris excessivement au travail. Donc effectivement, c'est important que nous puissions prendre du temps pour pouvoir nous alimenter de façon correcte et ciblée, de façon à justement éviter toute forme de maladie, toute forme de déficience, de manque au niveau de son corps. Donc, je disais, au niveau des repas, il faut prendre 3 vrais repas par jour. Donc, le
Le petit déjeuner que nous connaissons tous, que moi j'ai fait partie de ceux qui justement qui sautaient les petits déjeuners, hein. Donc aujourd'hui je me suis réajustée, donc je vous invite à vous réajuster également, parce que c'est important si vous voulez avoir une bonne journée et être concentré, équilibré par rapport à tout ce que vous avez à faire, surtout si vous êtes dans une profession ou encore étudiant. Donc le petit déjeuner doit être pris le matin, de préférence en prenant son temps si c'est possible. Donc ça, cela signifie quoi? Cela signifie que vous devez vous lever tôt pour avoir suffisamment de temps avant d'aller travailler. Donc si vous êtes difficile à vous lever le matin, sachez aller dormir tôt, ce serait mieux, effectivement, de façon à vous réveiller de plus précocement pour pouvoir prendre votre petit déjeuner, non pas en vitesse, non pas en urgence, mais posément. Donc le petit déjeuner, il doit être copieux. Copieux pourquoi? Parce qu'il couvre 25% des apports journaliers de la journée. Donc, il vous redynamise. Quand vous prenez votre petit déjeuner, vous êtes redynamisé au niveau de votre organisme, hein, après une bonne nuit de repos. Et donc, il se compose bien sûr d'une boisson, il se compose de féculents pour l'énergie et également d'un produit laitier, le produit laitier pourquoi? Pour apporter le calcium, d'une protéine ou des protéines et d'un fruit pour les vitamines et les fibres. Donc, il faut savoir que le petit déjeuner, pour tous ceux et celles qui ont tendance à le sauter parce qu'ils sont pressés le matin, nous aide à améliorer notre concentration, nous aide à réduire l'appétit, ça veut dire que ça évite le grignotage, parce que quand on a que le bon petit déjeuner le matin, on évite de grignoter, effectivement, à 9h ou à 10h, on évite de manger n'importe quoi, ça veut dire des pâtisseries, des aliments justement qui peuvent nous amener à prendre du poids, à avoir de l'embonpoint. Donc, effectivement, donc un bon petit déjeuner aide à réduire l'appétit, aide également à garder un poids santé. Donc, effectivement, ensuite, on doit prendre le déjeuner, le deuxième repas à prendre dans la journée, à ne pas sauter également. Il faut effectivement le prendre aux alentours de midi, midi 13h. Donc, il faut faire attention à la composition du déjeuner. Parce que quand vous, effectivement, vous prenez votre déjeuner, il est important qu'il soit, non seulement il apporte des apports au quotidien. Il vous donne également des éléments de façon à être énergique pour le reste de la journée. Donc, il faut qu'il soit composé de légumes, de féculents, d'une protéine qui est la viande ou un poisson. Et il faut qu'il y ait un produit laitier, par exemple le yaourt, comme dessert. Donc, votre déjeuner, ça évite d'avoir des coups de fatigue en fin de journée également. Donc, c'est important que vous ne puissiez pas sauter le déjeuner si vous avez la possibilité et d'éviter tout ce qui est fast-food, puisque effectivement le fast-food sera difficile à digérer. Donc, il est important effectivement de privilégier des légumes, des crudités avec une protéine, un poisson, une viande, de façon à être efficace et ne pas avoir une digestion lourde en fin de repas, en fin de déjeuner et arriver au travail. On a plus tendance à vouloir faire la sieste, on a plus tendance à vouloir se reposer, rentrer à la maison au lieu de se concentrer sur les tâches qu'on a encore à effectuer avant la fin de la journée. Donc ensuite, vers 16h ou 17h, vous pouvez prendre un goûter pour ceux qui le souhaitent. Donc c'est plus important qu'il n'y paraît, mais c'est effectivement le goûter permet de limiter la quantité d'aliments que vous aurez pu prendre le soir. Donc il permet de se recharger de façon assez rapide en sucre. Donc, vous pouvez prendre un fruit, par exemple. Alors, les pâtisseries, les chocolats, ce sont effectivement des choses que nous avons tendance à prendre vers 4h, 17h, mais il faut les éviter et prendre soit des noix ou encore un fruit. Cela est plus bénéfique pour notre corps. Ensuite, nous avons le repas du soir, effectivement, le repas du soir que nous devons prendre. Le soir, effectivement, le soir, pas trop tard, parce qu'effectivement, trop tard, ça risque effectivement que vous puissiez avoir les aliments stockés au niveau des hanches, au niveau du ventre, hein, au niveau des fesses. Donc, il est important de privilégier, bien sûr, tout ce qui est légumes, tout ce qui est crudités et tout ce qui est également viande qui correspond à la protéine. Donc, voilà. Donc, il faut savoir, je reviens, je fais juste une petite parenthèse en revenant légèrement en arrière. Qu'au déjeuner, il est important d'éviter les aliments lourds et très gras, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport au fast-food, parce que ça baisse la vigilance, ça diminue la concentration, ça diminue également la digestion.
Donc, pour le goûter, faut il faut qu'il soit léger. Donc, on peut privilégier plus le fruit, éviter les pâtisseries, le chocolat. Et comme je disais tout à l'heure, il faut que le repas soit léger de façon à ce que quand vous vous endormissez, que vous ne puissiez pas stocker les aliments. Donc, dans tous ces, effectivement, dans toutes ces trois répartitions, justement de repas, il est important, effectivement, de prendre en compte son niveau d'activité. Il y a des personnes qui sont sédentaires, qui ne font pas du tout d'activité. Il y a d'autres personnes qui sont actifs, ce sont des sportifs ou des sportives qui font du sport tous les jours ou qui font du sport 3-4 fois dans la semaine. Donc, en fonction, effectivement, de votre niveau d'activité, il est important de pouvoir ajuster par rapport à votre alimentation de façon à être dans un corps sain, dans un corps bien et de pouvoir être efficace parce que toutefois vous êtes dans un corps sain, et eh bien vous avez une alimentation équilibrée et saine, vous êtes efficace dans ce que vous avez à faire. Donc effectivement, il est important de vérifier les portions dans tous ces événements, de vérifier les portions parce que si vous êtes un sportif, effectivement, vous pouvez légèrement augmenter les portions. Par contre, si vous êtes sédentaire, il faut faire attention à la quantité de ce que vous manger parce qu'effectivement, n'oublions pas, quand nous sommes sédentaires, nous ne pouvons, nous ne dépensons pas, les calories restent stockées. Donc, effectivement, il faut faire attention à l'apport en gras, à l'apport en sucre et aux portions que nous prenons dans nos assiettes. Donc, il est important de savoir pour tout un chacun que nous avons sept familles d'aliments qui apportent chacune plus ou moins glucides, lipides et protéines parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Il est important de pouvoir dissocier quel aliment nous pouvons associer de façon effectivement d'avoir une bonne alimentation équilibrée et saine. Donc, on sait que nous avons le groupe de façon récapitulative, je vais le dire. Nous avons le groupe viande, poisson, œuf, effectivement, qui contient les protéines animales, le fer, les vitamines et puis tout ce qui est vitamine B. Vous pouvez le retrouver bien sûr dans les viandes. Donc, faites attention quand même aux viandes grasses. Hein. Nous savons tous que les viandes grasses sont tout ce qui concerne certaines parties du porc, certaines parties du bœuf, également certaines parties du mouton et de l'agneau. Ensuite, nous avons le groupe du lait et des produits laitiers, donc ce sont qui apportent des protéines animales, du calcium, de la vitamine A également et de la vitamine B, donc qui permet effectivement un apport en calcium dans ces éléments. On a aussi le groupe des céréales et des féculents, qu'il s'agit des glucides lents, qui contiennent de l'amidon, qui contiennent également des protéines végétales, des fibres qui aident au transit et des vitamines D, et qu'on peut consommer tous les jours et à tous les repas. On a aussi le groupe des fruits et des légumes, ce que nous avons souvent tendance à négliger. Je sais que dans certaines contrées, dans certains pays, il y a comment dire, des anecdotes ou encore je dirais pas des anecdotes, mais des personnes qui se disent qu'ils ne mangent pas de feuilles. Voilà, c'est l'expression que je cherchais. Je sais que dans certains pays, il y a des peuples, il y a des populations qui se disent qu'ils ne mangent pas de feuilles, qu'ils ne mangent pas de fruits, qu'ils ne mangent pas de légumes parce qu'ils préfèrent manger des féculents. Il est important de pouvoir associer à votre repas des fruits et des légumes. Même si, effectivement, dans la culture, on privilégie plus le féculent, on privilégie plus le riz, on privilégie plus la pomme de terre, il est important pour chaque individu, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre habitude ou encore la façon dont nous avons été élevés, il est important de pouvoir mettre les fruits et les légumes dans notre alimentation de façon à générer des fibres et de façon à ce que la digestion puisse se faire au maximum. Donc, fruits et légumes, pourquoi? Parce qu'ils contiennent des minéraux. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la vitamine C qui est efficace pour avoir la pêche. Également la vitamine K pour les légumes verts et à feuilles, les protéines végétales et tout ce qui est, comme je l'ai dit, fibres. Donc, il faut en consommer. Donc, tous ceux qui ont ce discours, je ne mange pas de feuilles, il faut changer de mentalité. Je sais qu'il y a certains qui disent ça. Il faut changer de mentalité. Il est important d'avoir des fibres dans votre alimentation. Donc, on a aussi le groupe des corps gras. Donc, bien sûr, corps gras, on fait référence à l'huile, à la margarine, au beurre, donc ils contiennent des lipides, des vitamines A, D et E. Par contre, effectivement, la consommation doit être limité, il ne faut pas en abuser. Bien sûr, on a également le groupe des produits sucrés. Donc, tout ce qui est produits sucrés, on parle de sucre rapide, qui ont un goût sucré et qui délivrent une énergie immédiate. Donc, ils sont à proscrire et à consommer de façon très limitée pour ceux qui sont diabétiques. Donc, dans certaines contrées, dans certains pays, effectivement, nous avons un taux de diabète qui est élevé. Donc, il faut faire attention justement à tout ce qui est produits sucrés. Et il faut savoir qu'une alimentation équilibrée doit en comporter une faible proportion de produits
sucré. Donc, si vous êtes adepte de friandises, de bonbons, de chocolat, de gâteaux, de pâtisseries, faites attention. Si vous voulez être sain, avoir une alimentation saine, équilibrée et être en forme pour pouvoir avoir de longs jours. Donc, le groupe des boissons. Donc, les boissons, donc on sait tous que quand on parle de boissons, on parle de l'eau. Effectivement, on parle également de l'apport liquide. On parle du vin, de l'alcool, du soda. Donc, il faut savoir que tout ce qui est vin, alcool, soda, boisson gazéifiée, essayez d'éviter ce genre de produits parce que ce sont des facteurs qui vont conduire à l'obésité. Nous savons tous que l'obésité est un facteur à risque. Donc, il faut effectivement consommer ces aliments avec beaucoup, 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 beaucoup de modération. Donc, pour ceux qui ont des enfants, les bonnes habitudes se prennent dès l'enfance, ça c'est sûr. Les mauvaises habitudes, effectivement, sont d'autant plus difficiles quand on prend de l'âge. Il faut éduquer nos enfants, d'autant plus ils ont déjà pris le nouveau pas à l'école pour les étudiants et tous ceux qui sont dans un cadre estudiantin. Donc, il faut effectivement leur donner cette culture d'avoir une bonne alimentation de façon à, quand ils seront seuls, pouvoir toujours la reproduire. Donc, il faut également composer ces aliments. Hein. Donc, il parle de composition d'aliments. Donc, il faut qu'il y ait un bon rapport glucides, lipides, protéines. Donc, ce sont des règles de base. Donc, l'autre règle de base, il faut pas manger non plus en excès. Ça veut dire que quand on arrive à un certain niveau, qu'on sent qu'on est pratiquement à satiété ou encore qu'on a le ventre rempli, ce n'est pas nécessaire que nous puissions insister parce que ça va effectivement en étant. Avoir le ventre trop rempli, ça diminue l'énergie, ça diminue la vigilance et effectivement, on n'a plus envie de travailler, on n'a plus envie d'aller se reposer. Donc, il est important effectivement que nous puissions avoir d'autres astuces pour comprendre que les aliments sont nécessaires. La qualité de nos aliments, la quantité de nos aliments sont nécessaires pour notre bien-être. Ça, c'est primordial à savoir. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que cela passe par une variété. Ça veut dire que vous devez manger de tout pour ne risquer d'avoir aucun déficit sur votre organisme, ni au niveau, ni en vitamines, ni en oligo-éléments. Donc, la variété des aliments permet à chacun, effectivement, de choisir selon ses goûts, de choisir son budget, en fonction de son budget, de ses besoins occasionnels et. Pour certains, en fonction de sa situation pathologique. Il faut également faire preuve de modération. Qui parle de modération parle de manger en quantité raisonnable. On parlait tout à l'heure d'excès de table. Donc, il faut limiter les apports inutiles de façon à ne pas prendre de poids. Donc, ceux effectivement qui sont adeptes de régime, ce sont des petites astuces. Au lieu d'aller faire un régime quand les beaux jours arrivent ou quand effectivement le 31 décembre arrive pour mettre la belle robe de soirée pour pouvoir aller à une soirée de gala. Donc, ce sont déjà des astuces qu'on peut prendre tout au cours de l'année et éviter certains régimes. Également, le plaisir et la convivialité sont des éléments que nous devons mettre en pratique quand on fait un repas, quand on passe à table. Ce sont des moments à privilégier, donc des moments de calme, des moments de plaisir. Également, il faut prendre le temps de choisir ses aliments, prendre le temps de les répartir. Donc, pourquoi? Afin d'avoir un bon équilibre, hein, tout simplement. Ne pas prendre l'habitude de sauter un repas, comme je disais tout à l'heure pour ceux qui nous prennent en cours. C'est mauvais pour l'équilibre alimentaire. C'est mauvais parce qu'à la place de cela, si vous prenez, il y a un fort risque de prise de poids pour certains et un fort risque de troubles digestifs. Donc, il faut prendre le temps également de manger lentement. Ça, des fois, c'est pas évident parce qu'entre deux horaires, deux rendez-vous ou encore deux activités qu'on doit faire, c'est pas évident de prendre son temps pour manger au calme tout en mastiquant. Parce que toutefois qu'on ne prend pas le temps de mastiquer, on avale le repas et ce n'est pas bon pour les intestins. Donc, prenons le temps de s'asseoir et de manger tranquillement jusqu'à ce qu'on puisse ressentir une sensation de satiété avec cette convivialité tout en mangeant. Ben voilà. D'un seul trait, ça va, ça va. Alors, on va te retrouver tout à l'heure pour la deuxième partie. Et en deuxième partie, qu'est-ce qu'on verra? Alors, en deuxième partie, on verra encore quelques règles hein, à suivre avec un exemple type enfin, un exemple type de comment ajuster les trois plats de la journée, les trois repas plutôt de la journée. Et effectivement, quelques conseils que nous pourrons voir ensemble pour pouvoir toujours maintenir cette alimentation
équilibrée et saine. Et en dernière partie, nous avons Rimed Razil, pourquoi? Parce que qui parle d'une alimentation saine et équilibrée parle effectivement d'une bonne digestion. Parce qu'on peut avoir une bonne alimentation saine et équilibrée, mais il est important effectivement d'avoir une bonne digestion. Et certains des fois ont une digestion difficile parce que ils n'ont pas assez de fibres dans leur alimentation. Ou d'autres peuvent être constipés également. Donc on va avoir des éléments à base de plantes locales ou plantes que vous pouvez vous procurer de façon justement à stimuler votre digestion et effectivement que vous soyez en pleine santé. Très bien, on va se retrouver tout à l'heure juste après la pause. Donc pour ceux qui sont connectés, donc on est en direct sur la radio Climax FM 100.8. Nous sommes dans un temps de pause de manière à vous évoquez les outils nécessaires pour pour le bien-être, pardon, pour le bien-être, de façon à ce que vous puissiez être un homme, une femme de bien-être dans tous les aspects de votre vie, mais notamment au niveau de l'alimentation, parce qu'un homme, une femme qui est bien alimenté pourra n'être qu'efficace. Donc, à tout de suite. Restez connectés, partagez à vos amis, à vos invités. Bonjour 33 sur Climax FM, deuxième partie concernant le bien-être de votre santé, c'est les clés du bien-être et on va retrouver tout de suite Charlène pour la deuxième partie. Donc, pour ceux qui nous prennent en cours, donc nous voyons la thématique les secrets d'une alimentation équilibrée et saine. Donc, nous avons pu voir les différents éléments que nous devons avoir dans notre assiette de façon justement à favoriser notre bien-être à travers l'alimentation, à travers ce que nous mangeons. Donc, je rappelle à tout un chacun hein, qu'il est important, quel que soit notre statut social, quel que soit que nous puissions être hommes, femmes, seniors, en activité ou non, ou hors activité, il est important effectivement que nous puissions mettre en place des éléments, mettre en place une bonne alimentation, une bonne façon de justement de pouvoir manger de façon à être efficace dans ce que nous avons à faire par rapport au projet que nous avons à mener, par rapport à toutes nos ambitions de façon à être efficace et optimale. Donc, on voyait ensemble tout à l'heure quelques clés de façon justement à avoir une nourriture de qualité, équilibrée et modérée. Donc, il faut savoir que notre nourriture, c'est ce que nous buvons et ce que nous mangeons chaque jour. Et qu'il est important effectivement de considérer justement cette matière première parce que cela nous apporte de l'énergie. Donc, en fonction de ce que nous mangeons, nous avons soit de l'énergie, soit nous sommes fatigués. Donc, c'est l'un ou l'autre. Donc, tout à l'heure, nous avons vu la variété, nous avons vu la modération, nous avons vu également le plaisir, la convivialité, nous avons vu également le fait de choisir ces aliments, de les répartir. Et nous avons vu également l'habitude de ne pas sauter un repas. Donc, pour les adeptes de saut de repas, donc arrêtez cela, c'est important. Et nous avons vu également le fait de manger lentement est bénéfique. Donc, notre astuce que nous pouvons voir ensemble, il faut boire.
Donc, des fois, nous avons tendance à oublier de boire. Donc, c'est important de boire. Donc, qui parle de boire, ce n'est pas le Coca, ce n'est pas le Sprite ou encore le Fanta. Il faut boire de l'eau. Il faut boire de l'eau le plus souvent et sans restriction. Il faut boire de l'eau entre les repas. Il faut boire de l'eau de la tisane, du thé. Mais c'est important de pouvoir hydrater son corps. Également, il est important de diminuer la consommation d'aliments gras. Donc, si vous êtes adepte d'aliments gras, il faut essayer de diminuer tout cela de façon à ce que vous puissiez, que votre corps ne se charge pas, ne se surcharge pas en graisse saturée. Alors, quand je parle de graisse saturée, je parle de charcuterie, je parle de fromage, je parle de beurre. Donc, quand vous mélangez le gras plus le sucre, donc ça veut dire sucre, pâtisserie, bonbons, chocolat, ça fait un bon mélange et après, ça se répercute sur le corps. Et effectivement, on n'est plus en forme pour pouvoir rentrer dans ses vêtements et pour pouvoir être bien dans son vêtement. Donc, il est important également aussi de limiter la consommation de produits sucrés et alcoolisés. Donc, il faut savoir qu'un litre de soda, pour ceux qui sont adeptes de soda, un litre de soda contient équivalent de 15 à 25 morceaux de sucre. 15 à 25 morceaux de sucre de 5 grammes. Et effectivement, la consommation d'alcool, justement, devrait se limiter à un verre de vin par jour, je dirais, quand même. Et encore un peu moins. Parce qu'effectivement, prenant ce genre d'habitude, ce n'est pas bon pour le corps. Donc, il faut favoriser les sucres lents. Donc, les céréales, les légumineuses, les pommes de terre, le pain complet, donc ce sont des éléments justement à favoriser. Pourquoi il faut les favoriser? Parce que ça donne de l'énergie de façon progressive et ça nous évite d'avoir faim entre les repas. Et qu'on évite d'avoir faim entre les repas, ça évite effectivement de grignoter. Je dirais, il faut abuser des légumes et des fruits. Donc, si vous n'avez pas cette culture des fruits et des légumes, mettez-y. Adoptez cette culture, vous verrez que ça ne vous fera que du bien. Quand vous adoptez les légumes et les fruits dans votre alimentation, vous maintenez l'organisme en bonne santé, vous facilitez le transit intestinal, vous facilitez effectivement l'apport en antioxydants, vitamine C, bêta-carotène, lycopène, donc tout ça là protège nos cellules du vieillissement. Donc, il faut saler de façon modérée nos plats, puisque vous savez tous que quand on met un excès de sel, on met trop, trop, trop de sel, ça peut entraîner des problèmes d'hypertension et de rétention d'eau. Donc, on verra ensemble un exemple de repas. Un exemple de repas. Alors, je vais vous donner un exemple de repas qui a été mis en place par un diététique en sport qui est effectivement. Qui est professeur dans l'un des hôpitaux, pardon, dans la région parisienne. Donc, il faut savoir que quand vous prenez le petit déjeuner, vous pouvez prendre des fruits ou un jus de fruits, du pain ou encore des céréales, du beurre, de la confiture, du thé ou du café, du lait ou du fromage pour bien démarrer la journée. Donc, cela évite effectivement de grignoter dans la journée, dans la matinée plutôt. Donc, le café, il faut faire attention quand même qu'il ne soit pas trop fort, hein, bien sûr. Et les pâtisseries sont à éviter si possible, hein, les pâtisseries, parce qu'elles provoquent une sécrétion importante d'insuline par le pancréas. Donc, le déjeuner, une entrée avec des crudités faiblement assaisonnées, un plat justement qui est achalandé de crudités ou de légumes et très peu de féculents, donc très peu de pommes de terre, très peu de riz. Donc ces éléments effectivement sont pour à prendre en compte. Donc le dîner, pareil également. Un peu de crudités, un peu de légumes, une protéine, donc ça veut dire une viande, un poisson avec très peu de féculents. Donc il est important justement dans la répartition de ces trois repas de prendre en compte la répartition justement de certains aliments, de privilégier certains aliments. Je vous dirais même de privilégier plus le poisson que la volaille. C'est des choses que certainement vous avez déjà entendues, c'est certains commentaires que vous avez déjà certainement entendus de part et d'autre. Il est préférable effectivement de privilégier le poisson que la volaille parce qu'il est moins gras, le poisson est moins gras, il est riche en oméga-3, il est bon également pour la mémoire. Donc si vous avez des enfants qui vont à l'école ou des personnes qui sont en études, dites-leur de privilégier le poisson, il est meilleur pour la concentration, pour la mémoire. Vous avez également, quand vous choisissez votre pain, privilégiez plus le pain aux céréales ou le pain complet qu'au pain blanc. C'est une astuce aussi. Parce que justement, ça évite le grignotage et il y a tous les éléments nécessaires pour éviter de grignoter. Également, les fruits et légumes sont aussi à privilégier.
La réduction des fritures, la réduction des charcuteries également. Et également, il faut proscrire le grignotage. Donc, pas facile à faire, facile à dire, mais pas évident effectivement à mettre en application. Donc, effectivement, il faut s'adapter et se donner une autre façon, il faut réajuster son alimentation. Si vous savez que votre alimentation n'est pas au beau fixe et que c'est difficile pour vous de pouvoir respecter cela, il est important effectivement d'avoir la connaissance de tous ces éléments de façon justement à comprendre les conséquences, les causes et conséquences, et pouvoir se réajuster. Il n'est jamais trop tard, bien sûr, pour se réajuster. Donc, les fast-foods, bien sûr, à éviter. On peut en prendre une fois dans le mois, mais pas plus, c'est possible. Donc, à prendre en considération. Et je dirais même que la viande, si nous pouvons prendre la viande 3 fois par semaine, ce serait bien. Ce serait bien, effectivement. Donc, viande, œufs, 3 fois par semaine, et mettre en différence le poisson. Donc n'oublions pas un produit laitier à chaque repas, donc lait nature, fromage ou yaourt, une crudité à chaque repas, donc légumes crus, salade ou fruits, un plat de légumes cuits par jour, midi ou soir, bien sûr en fonction du dîner, un plat de féculents par jour, donc quand je parle de plat, donc c'est quelques cuillerées, hein. Nous avons tendance quand on parle de plat, on parle de féculents, on pense au riz et pois rouges, riz et pois d'Angole. Il faut savoir par exemple que le pois d'Angole que nous consommons, c'est déjà une protéine. Et nous avons tendance à prendre riz, pois d'Angole, plus une viande ou plus un poisson. Tous les dimanches. En plus, tous les dimanches. Donc, c'est vraiment inacceptable. Donc, vraiment, il faut réajuster. Juste en modération, bien sûr. Donc, évitez de saler vos repas. L'eau à volonté, ça, c'est important. L'eau à volonté. Le beurre sur les tartines au petit déjeuner. Mais pas, ne mettez pas comment dire, la boîte de beurre dans le pain. Hein. Non, même pas. Il faut tartiner légèrement. Non, je le dis parce que je sais qu'il y a des personnes, quand on parle de petit déjeuner, ils mettent 2, 3, 4 couches de beurre. Donc, vraiment, faites attention à tout ça. Donc, l'huile à privilégier, je dirais l'huile d'olive. L'huile d'olive qui est à privilégier, ou l'huile de colza. Pour ceux qui peuvent, Pour ceux qui peuvvent, bien parce que sûr. l'huile de la bouteille, l'huile Elle, effectivement, elle n'est pas forcément mais quand même à accessible à 3 euros, tous. hein. Pas forcément accessible à tous, mais il faut profiter qu'il y a des promotions. Hein. Il faut profiter qu'il y a des Mais il n'y promotions. a pas très bonne promotion sur cette huile. Faut profiter qu'il y a des C'est l'huile promotions. ordinaire à nous racheter, parce que là, ça chère. Parce qu'il fait. Donc, l'huile pour la cuisson, l'assaisonnement en quantité modérée. Mais c'est sûr que l'huile d'olive ou de colza, ce Et sont des. conseiller. C'est vraiment conseillé. Ensuite. Donc, il faut savoir qu'avec tout cela, il faut avoir une bonne digestion. Une bonne digestion, pourquoi? Parce que cela permet d'éviter l'accumulation des déchets dans l'organisme sous forme d'amas graisseux. Donc, il est important justement de manger tranquillement, calmement, d'éviter de manger dans l'urgence. Je sais que ce n'est pas évident parce que quand par exemple, des personnes sont en région parisienne, c'est métro, boulot, dodo, c'est des fois entre deux métros ou encore rapidement en train de manger un sandwich. Mais c'est vrai qu'il faut pouvoir se donner le temps de s'organiser pour pouvoir manger tranquillement, calmement, parce que ça a un impact effectivement sur l'organisme qu'on ne prend pas de temps. Donc, ce sont des éléments justement pour être bien dans son corps, pour être efficace dans tout ce que nous avons à faire. Donc, une bonne digestion. Donc, il faut se relaxer, il faut manger lentement afin de réguler sa digestion. Ça, c'est important. Il faut éviter de consommer des fruits crus à la fin des repas. Et également, D'aller se coucher tout de suite. non, pas du tout. Ouais, Il ça ne faut c'est. pas se Ça, coucher tout de suite. il faut pas le faire. Faut pas se coucher tout de suite. Il faut effectivement. C'est pour ça qu'il faut manger tôt. Parce que nous avons tendance des fois à manger à 22h, 23h, des fois à minuit. Et on se couche par la suite parce qu'on doit travailler le lendemain matin. Il est conseillé, par exemple, quand vous allez au Canada, je donne un exemple précis que j'ai déjà expérimenté. Au Canada, les Canadiens mangent à 18h. Alors, quand les premières, la première fois que j'avais été, ça avait été une surprise pour moi parce que je trouvais ça trop tôt. Mais effectivement, au niveau santé, il est recommandé de manger pour 18 heures de façon à ce que le corps ait le temps d'assimiler les aliments que vous avez ingurgités et pouvoir que le corps, les intestins travaillent, que la digestion puisse se faire tranquillement et calmement. Parce que vous n'allez pas forcément vous coucher à 19 heures, vous allez vous coucher beaucoup plus tard.
Mais nous avons tendance effectivement à manger sur les coups de 21h, même des fois plus tard, 22h, jusqu'à minuit, des fois même 1h du matin. Et on va se coucher parce que le temps est arrivé pour aller dormir, parce que dans quelques heures, on doit aller travailler. Donc, à ne pas faire, à ne pas faire surtout, vraiment, essayer de manger le plus tôt possible, de façon à ne pas stocker ce que vous avez mangé, et de façon à ne pas prendre de l'embonpoint, de ne pas prendre du poids. Parce que toutefois, on mange bien gras, sucré le soir, forcément, le corps est au repos dans le cadre du sommeil. Et on ne fait pas d'activité forcément. Et effectivement, on prend du poids, on grossit et on n'est plus bien dans son corps et on devient frustré. Donc, ce sont des petits détails qu'il faut prendre en considération. Et quand les beaux jours arrivent, on se hâte, on se rue sur les régimes. Ça fonctionne des fois et des fois, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est important d'avoir ces petites astuces à mettre en pratique. Ouais, donc peut-être pas 18h, mais au moins 19h au plus tard. Voilà, 19h au plus ce tard, serait comme bien, ça ce on a le serait rien. temps de digérer entre 19h30, on sort de table à 19h30, entre 19h30 et Quand on 20h30. regardait le journal, par Ouais, exemple. donc ça le fait. Ça le fait. Hein, donc essayez, parce que 18h, c'est pas évident. Ce n'est pas évident, mais c'est vrai que C'est pas évident. j'avoue, au Canada, les Canadiens, ils mangent à 18h. 18h plein temps, tout le monde est à table, tous les restaurants sont pleins, et ils mangent léger en plus. Ouais, ça c'est autre chose encore. Ouais. Parce que c'est vrai que le soir il faut manger léger, contrairement au midi où il faut bien manger. Tout à fait. Ouais. Donc le soir, essayez de manger léger, une salade, une crudité, une soupe. Des fois, ce n'est pas évident, mais ça a un impact sur l'organisme. Ça a vraiment un Enfin, impact c'est sur l'organisme. évident pour nous qui n'étions pas l'âge, mais pour les jeunes, on va dire manger soupe le soir, ils vont dire ah non, ah non, non. Oui, oui, ils vont dire ça, mais n'oublions pas que notre alimentation a un impact justement sur le vieillissement, a un impact sur notre santé, et c'est des éléments à prendre en considération. Et il ne faut pas prendre le prendre en considération trop tard, justement. Très bien. 11h48, on poursuit, Charlène. On poursuit, donc on va poursuivre avec justement, on était sur la digestion. Donc on va poursuivre avec trois recettes, une, deux, trois recettes effectivement, qui permettent de favoriser la digestion. Donc on est dans la partie rimmel rasier. Donc on a le tamarin que nous connaissons. Donc pour ceux qui sont connaisseurs du tamarinier, le tamarin est la graine de l'arbre à feuilles persistantes, donc qui a une saveur douce et aigre. Donc il y a ceux qui l'apprécient en confiserie, d'autres en nature, mais difficile quand même à manger en nature. Donc, il faut savoir que le tamarin aide justement à stimuler la digestion. Donc, si vous êtes constipé, cela aussi peut aider. Mais si vous voulez stimuler votre digestion, cela également peut aider. Donc, il faut prendre 40 grammes à 50 grammes de la pulpe du fruit. 40 grammes à 50 grammes de la pulpe du fruit, bien sûr, après avoir ôté les graines. Et vous pilez bien tous ces éléments, vous les faites dissoudre dans la masse, vous faites dissoudre la masse plutôt dans un demi-litre d'eau, vous faites dissoudre la masse dans un demi-litre d'eau, vous buvez en fait cette macération une seule fois. Le matin, à jeun, et vous verrez effectivement, ça va stimuler votre système digestif. Également, on a le gros thym que nous connaissons tous, qui facilite effectivement, qui est un élément facilitateur pour ceux qui ont une digestion difficile. Donc, il faut prendre une infusion de feuilles fraîches, donc je dirais 30 grammes de gros thym qu'on met en infusion. N'oublions pas que quand on parle d'infusion, on parle de l'eau bouillante qu'on met sur la plante, hein, et qu'on laisse infuser 10 minutes à couvert dans un récipient. Donc, on met en infusion ces 30 grammes de feuilles de gros thym après les repas et on déguste. En troisième point, la citronnelle. La citronnelle, qui est un stimulant aussi digestif, hein, stimulant digestif. Donc, il faut boire une tasse après le repas, justement, de cette infusion. Donc, citronnelle, il faut prendre 15 grammes de feuilles fraîches. 15 grammes de feuilles fraîches. Une dizaine de brins, une dizaine de brins pour 1 litre d'eau. Ça représente une dizaine de brins pour 1 litre d'eau. Que vous faites infuser également et vous buvez la tasse après le repas. On a aussi le TPI, pour ceux qui connaissent, hein, le TPI qui est aussi un stimulant
digestif. Donc, vous pouvez effectivement, au lieu de prendre des compléments alimentaires, au lieu de prendre des médicaments, il y a des personnes qui ne sont pas du tout adeptes de médicaments, de prendre du Forlax ou autre chose, vous pouvez effectivement utiliser comment on dit, rimmel rasier, ces plantes locales, de façon justement à pouvoir activer, stimuler votre digestion et pouvoir justement, cela contribuera effectivement à une bonne alimentation équilibrée et saine parce qu'il faut pouvoir avoir une bonne digestion en retour. Donc, on reprend peut-être les recettes? Les Absolument. recettes, donc je reprends les recettes encore une fois. Donc le tamarinier, donc vous prenez la pulpe du fruit du tamarin, 40 à 50 grammes de tamarinier, que vous ôtez les graines bien sûr. Ensuite, vous faites dissoudre la masse dans un demi-litre d'eau, vous laissez macérer et vous buvez une seule fois le matin à jeun. Donc vous verrez que cela facilite le transit. Également le grotin, vous prenez 30 grammes de feuilles de grotin fraîches que vous laissez infuser après les repas et vous dégustez. Et en troisième point, enfin, la citronnelle qui est un stimulant digestif, 15 grammes de feuilles fraîches, donc ça représente à peu près une dizaine de brins de citronnelle, pour 1 litre d'eau que vous laissez infuser et vous dégustez. Et le TPI aussi, pareil, une quinzaine de feuilles fraîches et vous laissez également infuser pour 1 litre d'eau. Par la suite, donc il est important effectivement pour ceux, alors je donne une petite astuce pour ceux justement qui sont toujours pressés, parce que nous sommes toujours dans une société aujourd'hui fast-food, hein, fast-food, une société micro-ondes, je dirais, plutôt micro-ondes, société fast-food, mais société micro-ondes, et on veut tout de suite, et on a tendance à ne pas attendre, donc pour ceux qui sont toujours dans l'urgence, qui sont toujours pressés, qui n'ont pas le temps de manger, il faut effectivement anticiper par rapport à vos repas de façon à préserver votre santé ainsi que la santé de votre famille. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous le pouvez en début de semaine ou le week-end, vous pouvez commencer déjà à préparer vos repas pour la semaine. Ça, c'est une petite astuce. Donc, commencez à faire vos courses, commencez à préparer vos repas de façon à ne pas manger n'importe quoi sur la route, à ne pas acheter forcément un sandwich à la volée ou encore un agoulou, un bocquit ou une pâtisserie ou une pizza ou encore des aliments qui ne sont pas forcément bons pour le corps. Donc, il est important durant le week-end, si vous avez le temps, en fonction de votre planning, de préparer vos aliments, si vous êtes pris par des activités associatives, pris par des activités professionnelles, des activités familiales, de vous trouver un temps de pouvoir justement confectionner vos différentes recettes pour la semaine que vous pouvez pardon, ensuite congeler dans le congélateur et chaque jour vous prenez un repas différent. Donc effectivement, il faut les congeler, certes, les mettre au congélateur, mais cela veut dire qu'il faut les préparer au préalable. Donc, c'est une question d'organisation. Donc, il faut prendre le temps, effectivement, de privilégier les légumes, les fruits. Donc, il faut aller au marché ou aller au supermarché. Et également, se confectionner ces quelques recettes. Donc, il y a des recettes très simples, très rapides qu'on peut avoir de façon à ne pas passer le temps dans la cuisine et d'avoir une bonne alimentation équilibrée et saine. Donc, pour ceux effectivement que le matin, c'est difficile pour eux de se lever tôt, vous pouvez par exemple le matin, enfin plutôt la veille, je dirais, la veille, préparer la table du petit déjeuner. C'est un exemple. Au lieu effectivement de courir le matin et parce que vous êtes pressé, vous préparez la table du petit déjeuner la veille, comme ça, vous préparer certaines choses, ainsi vous avez le temps de pouvoir prendre votre petit déjeuner sans stress, sans anxiété. Je conclurai en disant qu'il est important de bénéficier de tous les avantages d'une bonne alimentation, autant à court terme qu'à long terme. Nous avons tendance à négliger de nos jours l'alimentation, mais ça a une importance capitale sur notre corps, sur notre santé, sur notre bien-être. Donc, une bonne alimentation, il faut savoir qu'elle aide à protéger les maladies chroniques, tels que le cancer, tels que les cardiopathies, tels que le diabète, tels que l'ostéoporose, également tels que l'obésité et tels que les accidents cardiovasculaires et l'hypertension. Et nous voyons de nos jours, ce sont des maladies qui sont très fréquentes, certainement parce que nous n'avons pas fait attention à notre alimentation. Donc, c'est des éléments qu'il faut vraiment prendre en compte. Toutefois que nous avons une alimentation saine et équilibrée, nous ne pouvons qu'avoir que des bienfaits. Des bienfaits, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous pouvons avoir des éléments nutritifs qui sont nécessaires pour la bonne croissance, pour le bon développement. Nous avons également l'énergie qui nous est fournie pour toutes nos activités quotidiennes. Nous avons un poids santé. Cela favorise le poids santé. Donc, ça évite que nous soyons en surpoids ou en obésité. C'est important également à savoir.
Toutefois, que nous favorisons une bonne alimentation équilibrée et saine, cela veut dire que ça améliore également notre capacité d'apprentissage. On est mieux concentré, on a une mémoire qui est beaucoup plus optimale. On a aussi notre système immunitaire qui est renforcé. Donc, toutefois qu'il y a une maladie qui circule, on a nos défenses immunitaires qui sont déjà bien renforcées parce qu'on a une bonne alimentation qui est équilibrée et saine. Également, avoir une bonne alimentation équilibrée et saine nous permet de jouir dans la vie, nous permet d'être agréable, nous permet d'être vraiment épanoui. Vous verrez, si vous faites un constat autour de vous, il y a des fois, il y a des personnes qui sont fatiguées, aigries, des personnes qui n'ont pas forcément la joie de vivre parce que leur alimentation n'est pas équilibrée, n'est pas saine, et ils ont des carences et ça se répercute sur leur humeur, ça se répercute sur leur motivation, ils sont moins concentrés, ils sont, même s'ils ne font pas d'activité en tant que soi, mais ils sont toujours fatigués parce que l'alimentation n'est au préalable n'est pas équilibrée et saine depuis le départ. Donc ça, son importance. Et je dirais tout simplement que le bien manger, c'est associer le plaisir et la santé. Toutefois que nous mangeons bien, nous associons, le plaisir et la santé. Donc la santé, c'est avoir une alimentation équilibrée et la nutrition, bien sûr. Donc c'est à la fois équilibrer les apports et les dépenses énergétiques, les dépenses caloriques. Donc je dirais tout simplement, être bien alimenté, c'est être bien équilibré, c'est réduire le risque de certaines maladies graves, mais c'est aussi le moyen de bien vieillir bien et être bien dans sa peau. Très bien. Ben voilà, c'était aujourd'hui le bien-être, la santé, les clés du bien-être et de la santé avec Charlène. Alors Charlène, on va te retrouver jeudi Jeudi, tout à fait. avec un invité dans le temps des champions, c'est Tout ça? à fait, dans l'émission de Winner's Time pour les Voilà. anglophones et pour les francophones, le temps des champions, nous mettons à l'honneur une personnalité dans le domaine d'activité. Et là, nous aurons une personne qui a remporté le championnat de body painting mondial. Ouais, donc il sera avec nous Il sera avec nous. en plateau, on vous en dit pas plus. N'essayez pas d'aller sur le Facebook de la radio, on ne mettra pas la photo non plus. Donc c'est la grande surprise. Et vous allez retrouver d'ailleurs le replay. Hein, on commence par s'organiser et vous allez retrouver justement le replay hein, du clé Les clés du bien-être. du bien-être qu'on vient d'enregistrer. Donc vous allez retrouver le replay. Sur le Facebook de Climax et on va retrouver Charlène jeudi, Tout à prochainement fait, tout et à fait. sûrement. Merci Charlène. Mais c'est moi qui vous remercie. Donc restez connectés. Hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. N'oublions pas que nous avons durant toute la semaine et les semaines à venir, nous avons plusieurs cadeaux à offrir à nos Ah oui, auditeurs, on avait oublié à ça. nos auditrices. Oui, tout à fait. Nous avons beaucoup de cadeaux à donner. Donc des cadeaux d'Eddie Babel. Hein, nous avons des cadeaux d'Alema Biala. Donc restez attentifs. Hein, nous allons mettre en place quelques jeux de façon à ce que vous puissiez gagner également ces ouvrages. Des albums, des livres à offrir, des livres qui peuvent être des cadeaux également à offrir pour la fin d'année qui arrive à grands pas, pour la Noël, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent déjà aux cadeaux de fin d'année. Donc vraiment, vraiment, soyez connectés à la radio 100.8 FM et également sur Facebook Live où vous pouvez nous suivre et gagner ces merveilleux cadeaux qui ne pourront que vous être utiles et agréables. Absolument. Merci Charlène, on va te retrouver jeudi dans pratiquement, allez, on va dire 1 minute, l'info revient avec nos confrères de vie. Donc à tous ceux qui sont connectés, merci d'avoir été présents. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour ceux qui veulent un accompagnement spécifique ou individuel, n'hésitez pas à me demander un message privé ou sur la page. Et ceux qui ont besoin d'un éclaircissement par rapport à ce qui a été dit dans l'émission aujourd'hui, faites-le en toute simplicité. Je suis là pour vous aider de façon à ce que vous puissiez être un homme, une femme épanouie dans sa santé, dans son bien-être. Donc une femme, un homme de bien-être, c'est important, de façon à être optimal dans tout ce que vous avez à faire. Donc je vous dis à jeudi, soyez connectés. Jeudi, on reçoit, comme on l'a dit tout à l'heure, pour ceux qui nous prennent en compte, on reçoit Stick, le champion du monde 2017 en body painting. Donc il va nous faire part de son parcours, de tout ce qu'il a pu traverser, les challenges, les défis, et il nous donnera les astuces de ce qui a fait de lui être le champion du monde, parce que ce n'est pas un champion national, mais c'est un champion mondial. Donc, nous vous remercions et je vous dis à jeudi.